get up. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. You get the fuck up.
a Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh dear, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau stream sur League of Legends. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve du coup pour ce stream du vendredi. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le stream d'hier, j'en avais déjà parlé dans d'autres streams. Étant donné que le segment 2 a commencé, on va consacrer les streams du mercredi. Ils sont consacrés au défi de A à Z, c'est-à-dire je joue tous les champions de A à Z, donc Aatrox, Ahri, machin, bidule. Tous les champions de A à Z, de toutes les catégories, tout. On avait joué, je sais plus quel perso, on avait fait les H. Je crois que le dernier qu'on avait joué, c'était Emerdinger. Non, on avait joué un autre champion avec Emer. Après Emer, je crois. Non, on s'était arrêté à Emerdinger. Voilà. Le prochain, ce sera Way. Mais en gros, on a fait ouais, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43. On a joué déjà 43 champions sur les 168. Mais je sais que si je fais que ça, en fait, j'aurai pas fini à la fin de la saison. De vous faire tous les champions. Donc les streams du mercredi seront consacrés au défi je joue tous les champions de A à Z. Et ensuite pour ce qui sera les streams du vendredi, ce sera consacré à de la solo, de la duo queue, voire peut-être de la flexible si on est beaucoup. Voilà. Yo le boss, salut, comment ça va? Bah ça va, et toi, comment ça va? Comment ça va, Yo? Toujours au rendez-vous, hein, toujours sur les streams, ça fait plaisir de te voir. Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. D'ailleurs, donc merci à tous ceux qui ont follow la chaîne, hein, vous êtes actuellement 67. Et donc toujours merci à Avonlea, Scarlet 8, Moonelec et Sunars qui ont follow la chaîne Twitch ce mois-ci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, j'ai bien le son allumé parce que j'ai répondu à YoYo pour dire que ça allait. Je lui ai demandé comment ça allait. Et je me suis dit, mon micro est peut-être éteint. Non, mon micro est allumé, mais bon. Oui, attention après, hein, si vous êtes sur la route ou quoi, prenez pas votre téléphone, hein, vous faites gaffe. Alors, sur la route, quand je dis sur la route, ça peut être à pied, en vélo, en voiture. Mais n'utilisez pas votre téléphone en voiture ou en moto. Ou même à vélo, c'est complètement con. Non, si vous utilisez votre téléphone, c'est que vous êtes assis ou alors... Bon, si vous marchez, faites attention. Mais voilà. Je vous recommande pas d'utiliser votre téléphone en voiture ou quoi. D'ailleurs, faites attention quand vous êtes dehors. À limite, rangez votre téléphone. Attendez d'être chez vous pour l'utiliser. Ou d'être posé dans un lieu public, c'est plus simple. Du coup, on part pour une arame de chauffe. Comme d'hab. En espérant que ça a marché. Parce que j'ai... Alors, petite anecdote, hein, pendant qu'on y va. J'ai eu encore des lags hier. File basse priorité. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Donc en gros, hier, j'ai a priori quitté une partie. Là, je me suis pris une file basse priorité d'une minute. Parce que j'ai joué, bon, mercredi, vous avez vu, j'ai eu un petit problème en RAM. C'était pas trop grave. Là, ça fait deux fois que j'ai des problèmes en draft. Un problème mercredi, un problème mardi, pardon, un problème jeudi, de connexion même off-stream. Donc, qui a fait que la première fois, c'était, j'avais joué Fiora. Alors, c'était pas pendant le stream, hein. J'avais joué Fiora top, je suis arrivé, Mundo était déjà level 6. Et l'autre, c'était, je jouais Nivea, j'ai été déco pendant le jeu. Alors que le jeu avait été lancé, c'était pas au début, c'était pendant le jeu. Et je suis arrivé après. Je suis arrivé, j'ai été AFK 5 minutes. Mais ouais, du coup j'ai eu des problèmes, du coup là j'ai reboot ma box en entier, je l'ai éteint le temps d'une nuit, je l'ai rallumé. Comme ça elle a pu se recharger, tout ça. Enfin se recharger, vous avez compris quoi, elle est en marche et tout. Parce que si je la rallumais quand je rentrais, je pense que mon ordi, la box, à tenir l'ordi, le téléphone, la télé, le machin de bidule, elle aurait pas tenu. Du coup là, je l'ai mis en route. Et ensuite, du coup, voilà. Je l'ai remis en route ce matin et là, ça devrait. Pourquoi quitter la file? Toujours? Ah mais je dois garder ça pendant que. Oh chier. Bon. Je vais bien, juste je suis à l'hôpital, mais du coup. J'en profite pour regarder ton stream. Ah ok. Pourquoi t'es à l'hôpital? T'as fait quoi? T'es fait mal ou c'est pour la même chose qu'hier? Pourquoi t'es à l'hosto? D'ailleurs, ouais, si vous avez un décalage entre le message que vous mettez, quand vous le mettez, et quand vous le voyez affiché sur sur le stream juste là en dessous, c'est juste que en fait, il y a un décalage de 6 secondes. Entre ce que je fais et ce que vous voyez. Du coup, quand vous mettez entrée sur le message, je vais le voir 6 secondes après. C'est voilà, c'est. Sinon, si je suis. S'il y a une seconde de décalage entre vous et moi, ça fait que ça suit pas. Je crache. Mais donc, du coup, ouais, il y a 6 secondes de décalage. Ne vous inquiétez pas, hein, je vois. Enfin, quand vous le voyez ici, hein, du coup il y a 6 secondes de décalage. Mais moi quand je le vois quand vous mettez sur entrée. J'ai mal à trouver des gens aujourd'hui donc. T'as un quart d'heure pour pouvoir lancer un stream et avoir une game en arabe. Ouais non. Eh ben, on va en Aram Israël, hein, tout simplement. Et j'ai pas mon Ziggs. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais baisser le son un peu de. Il y a combien le son total? Ouais, c'est bon. J'ai baissé le son dans mon casque parce que, bizarrement, le son YouTube me paraît un peu fort. Le son de la musique. Bibali Balou, celui-là. Je suis allé chercher du pain pour ma grand-mère, sauf que je suis tombé. T'es tombé? Attends, t'as fini à l'hôpital parce que t'es tombé? T'es tombé quoi? T'es tombé sur une bordure en béton et tu t'es fracturé la jambe? Enfin, c'est quoi le délire? Parce que là, j'ai du mal à. J'ai du mal à saisir. Putain, Nasus héros de la nuit, pas mal. J'aime bien la gueule du skin. Alors par contre, ouais, on va parler d'un truc, hein, les maîtrises, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait un truc pour les maîtrises, c'est dégueulasse.
C'est d'une mocheté. Il y a des nouveaux items aussi. Ah oui, non, c'est faux spectral avec, avec Israël. Alors, on a Veigar qui part, je sais pas où. Les no fun, c'est des no fun en Aram, c'est incroyable. D'ailleurs, on va parler d'un truc, hein. En Aram, j'ai posté un short il y a pas longtemps où je suis dans le bush ici. Ils passent tous à côté et moi je sors du bush et je vais détruire le Nexus. Et je me suis pris des commentaires là-dessus sur TikTok en mode ouais, t'as pas pensé au. Comment ? T'as pas pensé au bien-être des autres joueurs, machin, ou je sais pas quoi, ce qu'ils m'ont mis. En mode comme quoi j'étais un connard, que je devrais pas être fier de ce que j'ai fait et que j'aurais dû penser aux autres joueurs. Comme quoi ils avaient pas eu d'amusement, machin, j'en sais rien. En mode oui, t'es un connard, voilà, tu penses pas au bien-être des autres joueurs. Mais est-ce que eux, quand ils viennent et qu'ils me sautent dessus pour me tuer 10 fois, ils pensent à mon bonheur sur le jeu? Je ne pense pas. Donc voilà, je me suis pris plein de haters sur TikTok, dans les commentaires TikTok. J'ai épinglé d'ailleurs ce TikTok parce que je l'aime bien. Donc c'est le premier que vous pouvez voir sur mon TikTok. Vous pouvez le trouver juste en dessous du stream. Mais ouais, j'ai vu ça, j'étais ok. Bah, j'ai essayé de répondre un peu, c'est en anglais. Donc moi qui suis une brêle en anglais, j'ai compris ce que j'ai compris et j'ai traduit ce que j'ai pu traduire. Bon après, il y a Google Trad ou des conneries comme ça aujourd'hui pour comprendre. Et du coup, je me suis pris une vague de haine de certaines personnes et il y en a d'autres qui ont trouvé ça très drôle ou sympathique ce que j'avais fait. Donc voilà. Et qui ont répondu au hater en mode mais pourquoi tu... Enfin, pourquoi tant de haine en fait? Et donc du coup voilà, bon, j'ai pas compris. Certainement parce que je suis meilleur qu'eux et que eux ils ont jamais réussi à faire ce que j'avais fait. Bah pareil, il y a des gens, il y a pas que moi qui fait ça, hein. Il y a des gens, ils jouent TF, ils se TP et puis voilà, ils détruisent le Nexus. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier à le faire. Mais voilà, enfin autant de haine pour ça déjà oui, je sais que League of Legends regroupe énormément de toxiques, mais oh. Mais de là à venir répandre votre haine sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux qui existent, enfin, je trouve ça déplacé et débile. Mais bon. Passons. Du coup, Yo-Yo qui m'a répondu, oui, je suis tombé sur la bordure du trottoir. Ouais, ça fait... Ah oui. C'est quoi? C'est le tibia qui a frappé? C'est le bras? T'as tapé où? C'est le genou? Le genou. Oh putain, si tu tapes sur le nerf du genou. Ça m'arrive de me taper moi le genou, des fois je me tape à l'endroit du nerf à peu près. On a des remorques et au taf et du coup quand je dois slalomer entre les remorques pour aller chercher un truc, des fois c'est mon genou qui tape, ça tape au niveau du nerf. Enfin aux alentours du nerf du genou. Et du coup bah ça me fait putain de mal. Donc je comprends à quel point ça fait mal. D'ailleurs c'est bon, le système de une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube a été mis en marche. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, je suis désolé hein, pour ceux qui l'attendaient, mais c'est bon, vous allez avoir dès aujourd'hui hein. Le système a été mis en place, vous avez eu une vidéo aujourd'hui. J'avais dit que je vous ferai une vidéo par jour pour ma chaîne YouTube principale. Et du coup, bah c'est bon, ça s'est mis en place à partir d'aujourd'hui. Il y a une vidéo découverte de jeu sur PlanetCraft. Et la vidéo League of Legends arrivera le dimanche. Les découvertes de jeu seront le vendredi. Sur le tibia, t'es tombé? Ah ouais. Mal le tibia, hein. Ça fait très mal le tibia.
Bah, bonne chance à toi, du coup, hein. Bon rétablissement. Bon rétablissement, en espérant que c'est pas trop grave. À mon avis, c'est juste une petite fracture, mais c'est une fracture quand même, quoi. Un bon bleu déjà. Et ensuite, ouais, pour être à l'hosto, ouais, c'est une fracture. Bah écoute, j'espère que tu auras assez de vidéos sur ma chaîne YouTube pour à regarder le temps que tu te rétablisses. Je dois avoir moins de 800 vidéos sur ma chaîne YouTube, je suis désolé. Tu sais, le gars, il pense qu'à lui, tu sais, pour les autres. Aïe aïe aïe. Il pense qu'il n'y a que lui dans la vie, tu sais. Ah ouais, écoute-moi sur ma gueule. Non mais ouais, bon rétablissement à toi. On espère te voir sur pied au plus vite. Bon après ça va, on a un week-end de 3 jours là, donc... Déjà t'as pas le stress des études ou de je sais pas quoi si t'avais un examen ou quoi. What? Comment je me suis retrouvé là? Ah mais je me suis pris le... Non, je me suis pris le truc du... La vague de l'empereur de Bidule là? Je m'étais vu ici en fait, et d'un coup je me retrouve ici. Genre je comprends pas. J'ai l'impression que mon perso il s'est TP, il a fait waouh! TP! Comment ça? TP, ok. Ah non, elle est tombée là-bas. Ah! Non, je veux pas taper mes sbires! Je veux pas taper mes alliés! Pourquoi tant de haine? Non, non, sérieux. Ok, wow. Ah, dommage. Je suis à côté. Bien joué, Ziggs. Merci, en ce moment, je regarde ton Let's Play Dragon Quest Builders 2. Ah, alors j'espère que le Let's Play, tu l'as commencé il y a un moment, parce qu'il y a 290 épisodes. Et le 290e, vu que c'était le stream de fin, il dure 4 heures. Vu que c'était le stream de clôture, donc... Tu vas avoir du temps. T'as au moins 300 heures de visionnage, je pense. Pas loin. J'espère que tu l'as commencé bien avant. Crois que je t'ai pas touché avec mon... Ah. Ah, j'ai commencé à le regarder hier. Ah! Bah, bonne chance. Parce que tu peux retrouver la playlist, tu auras marqué. Alors, à un moment, dans la playlist, il y a pas. La playlist ne comporte pas 290 vidéos. Elle en comporte 291. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un best-of dedans que j'ai mis. Juste petit rappel, tout simplement parce que ma chaîne YouTube, à un moment, bah, j'avais commencé le Let's Play de Builders. Donc j'avais commencé le Let's Play. Sauf que de Builders 2, sauf que du coup, je me suis fait hack mon compte Steam. Donc j'ai dû me refaire un compte Steam et du coup, j'avais fait un stream de 6 heures. Où je refaisais toute l'aventure de Verchamp et j'ai décidé d'en faire un best-of de cette soirée. J'étais avec Orange, premier stream avec Orange d'ailleurs, bon qui faisait l'aventure de son côté, mais voilà.
très sympathique. Et du coup, le best-of doit durer une vingtaine de minutes. Voilà. Mais c'était sympa, c'était là. Et le let's play doit dater bientôt d'il y a 3 ans, la première vidéo du let's play. Donc, ouais. Ça commence à dater. Oh, je l'ai touché avant qu'il meure. Mais ouais, bah écoute. Après, j'avais fait un truc aussi, ça s'appelle les trailers. C'est pas. En gros, c'est 1 minute 25 secondes de ce qui se passe dans l'épisode, pris n'importe comment dans l'épisode et fait comme ça. C'était le logiciel de montage qui faisait ça. Et les trailers, bah, il les faisait comme ça. Il prenait la vidéo, il faisait allez hop, un trailer. Et puis il mettait des trucs n'importe comment comme ça, et puis ça faisait un trailer. Bon bah. Voilà. Donc j'ai commencé à l'épisode 134, je crois, les trailers à les mettre en ligne. Donc c'est pour ça qu'il y a le lundi, depuis bah, le trailer de mes épisodes. Et ensuite, donc le lundi et le mercredi, c'est les trailers. Et ensuite, il y a les épisodes en eux-mêmes qui sont là les mardis et jeudis. C'est bien parce que même si c'est pas énorme, ça fait des petites vidéos supplémentaires. Et c'est sympathique. Des fois, il y a des trucs, t'es là en mode, ah d'accord. Puis ça peut donner envie de voir l'épisode, quoi. C'est un peu comme le trailer d'un film, sauf que c'est un trailer pour un épisode de 35-40 minutes. Il y en a qui font ça aussi avec des épisodes d'animé sur YouTube. Et c'est ça qui m'avait donné envie de faire ça. En fait, des fois, à la fin des épisodes d'animé, ils font un petit trailer sur ce qu'il y aura après. Et du coup, il y en a, ils prennent ça et ils les mettent sur leur chaîne YouTube après que l'épisode soit sorti. Et ils font ça pour plusieurs animes. Et du coup, moi, j'avais envie de faire ça, mais pas pour des animés ou... pour ma chaîne YouTube, pour... voilà. Et en fait, bah, le logiciel de montage a commencé à le faire tout seul, sans que je lui demande rien. Il prenait il fait une analyse des temps forts, ça s'appelle. Et je peux lui dire, bah là, tu prends la vidéo là de allez, on va dire, tu prends une vidéo de 4 heures là, et je veux que tu mettes et je veux que tu me fasses 10 minutes de temps fort par exemple, et il va me faire 10 minutes de temps fort sur la vidéo qui dure une heure. La merde. Donc voilà. Mais moi je fais 1 minute 25 secondes, ça sert à rien d'en faire plus. Enfin 25 secondes c'est parce que le logiciel il a décidé de faire ça. Moi je lui ai dit bah non tu fais 1 minute en fait. Donc là maintenant il refait des trailers d'une minute. Enfin 59 secondes parce que 1 minute il veut pas, 1 minute 1 il veut pas. Mais par contre 59 secondes ça le dérange pas. J'ai arrêté de chercher, hein. Tu finis ton live vers quelle heure? Eh ben... Étant donné qu'on est vendredi, bah c'est 19h aussi. C'est juste que j'ai commencé une heure plus tôt parce qu'on est vendredi. Mais oui, normalement c'est 19-20h. À peu près. Je sais pas, entre 19h et 20h. Ça dépend si je décide de faire une game supplémentaire ou si ma game dépasse le temps qu'elle doit faire et qu'on dépasse les 19h. En gros, le stream dure entre 5 et 6 heures. Détruisez-moi cette tour là. Yay! J'ai envie. J'ai pas vu le Kog'Maw. Tu vois plus la barre de vie du Kog'Maw. Forcément, il est mort. Tu vois un truc arriver. Qui a pas de barre de vie. Tu te dis, c'est une animation, c'est un Poro. Bah non, c'est un Kog'Maw. Putain. Ok, bah je reviens dans 15 minutes, je vais bientôt passer mes radios. Ok, bah j'espère que c'est pas trop grave, hein. Bon courage, bon rétablissement.
Et merci pour le soutien, hein. Merci de regarder les vidéos, le let's play, ça fait plaisir. Même si tu vas y passer un temps si tu le regardes en entier. Merci beaucoup. Wesh. Ouais, bah oui, Ziggs, envoie-la moi dessus. Mais un Z pour me l'envoyer dessus, vas-y, te gêne pas. C'est littéralement ce qu'il a fait, hein. Sérieux, Ziggs. Mais tu es comme ça, t'as pas honte. Saloperie. Bon, 12-7-29. Tranquille, hein. Oui, rappel, pas disponible dans ce monde, oui. Il faut pas que cela vous empêche de gagner, bah non. Non, pas. Si le rappel était dispo en Aram... Voilà, très compliqué. Oh yes. Ezreal en mode au calme. La 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 la. GG, well played. Ouais, on a gagné. Ok. Alors, de retour, hein. Encore un problème de box, visiblement. Je vais finir par changer de box, là, ça a plu. Opérateur, ouais, même peut-être. Désolé pour ce désagrément qui a duré un peu de temps. S'il y a de nouveau un problème, bah je. Bah on arrête le stream, malheureusement. Je refais une rame. Voir si ça recrache. Si ça recrache, bah vous aurez pas de. Vous aurez pas de. Ah, fraîche. Comme ça. Ouais. S'il y a de nouveau un problème, bah, il y a de nouveau un problème. Hein. Vous aurez pas de stream rank aujourd'hui. Et j'essaierai de changer de faire un truc pour ma connexion là parce que c'est plus possible quoi. 4 jours, 4 problèmes de voilà, donc 2 fois où je stream pas, c'est pas possible. Pas possible.
Du coup, on va refaire une ARAM. Et si ça recrache de nouveau, et ben tant pis, on arrête là. Hein. Déjà là, rien que pour lancer, ça. Ouais, ça... Salut Lucky, comment ça va? Tu veux pas jouer en 4G? Non, mais la 4G c'est pas possible, c'est pire. La 4G c'est pire que la Wi-Fi. Bah ça va, le crash quoi, mais ça va. Enfin, 4 fois 4 jours quoi. Mais ouais, si j'ai de nouveau, si j'ai de nouveau un problème, je vais juste changer d'opérateur. Hein. Ça commence à me saouler. Le problème c'est que je peux pas. Le problème c'est que si je vais chez Free, le problème c'est qu'ils ont pas de magasin proche de chez moi en fait. Je suis obligé de faire 1 heure de. Enfin, soit 1 heure et demie de route par la nationale, soit 30 minutes sur l'autoroute. Et aller trouver un magasin au bout, je sais pas où. Soit sinon. Ouais, soit sinon, ils ont pas de magasin à côté. Donc. Le changement d'opérateur ne va pas se faire en quelques jours. Donc en soi, tu l'auras encore plusieurs. Encore quelques jours. Ouais. Bah en vrai, je préfère ne pas pouvoir stream, mais que vous ayez quand même des vidéos. Tu vois? Que je peux limite upload en 4G, mais stream en 4G c'est pas possible. Mais tu vois, pouvoir vous faire des vidéos et pouvoir les upload tout ça avec ma 4G plutôt que de voilà quoi. Changer d'opérateur pour mon appartement, ça va aller, mais si je mais changer d'opérateur avec mon téléphone, le téléphone encore ça va. Mais ouais, c'est la box qui va pas en fait. C'est ça le problème. Enfin, quand je dis ça va pas, c'est que ça va, mais enfin, c'est épuisant. Enfin, c'est juste, je peux pas jouer. Je peux pas faire ce que je veux avec une connexion pareille, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai rien à foutre, je peux le dire, je suis chez SFR, quoi. Et c'est parce que c'est. Bon, même si SFR, c'est de moins en moins bien. Après, c'est peut-être juste un problème de box et pas forcément d'opérateur. Si c'était un problème de box, je les reboot déjà 2 fois. Donc. Je les reboot cette nuit. Cette nuit, elle n'a pas fonctionné. Je l'ai remis ce matin à 5h, à 5h30 du mat avant d'aller taffer. Donc, elle a été. Ouais, pendant 5 heures, elle n'a pas fonctionné. À voir, hein. Donc ouais. Et en fait, c'est le en gros. Quand j'ai un problème de call là sur les. J'ai regardé. En fait, j'ai ma box. Et j'ai le boîtier fibre. Parce que j'ai la fibre. Et en fait, il y a un. Il y a un bouton. En fait, il y a un voyant qui s'allume. Le voyant qui s'allume, c'est le voyant pawn en fait. C'est le voyant pawn qui s'allume et c'est celui qui est censé gérer le flux de données. Ou un truc du genre. Et pourtant là en ce moment je sais pas, il a pas. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a Vanguard en plus, il a pas l'habitude d'avoir Vanguard en plus, mais je suis obligé de l'avoir. Donc mes parents aussi avaient eu des problèmes avec SFR, ils sont passés chez Orange. Ouais bah je pense que je vais faire ça honnêtement.
Orange, c'est le seul avec SFR qui passe par chez moi. Hein. Et c'est les seuls dont la boutique est en face. Hein. Chez mes parents, ils ont la fibre Orange, ça va nickel. Hein. Pourtant, on est à 6 sur la connexion. Hein. Là, je suis tout seul. Après, mes parents ont peut-être pris une box avec plus de moyens, mais... Mais SFR, c'est juste que, ouais, quand je me suis installé il y a 4 ans, bientôt 3-4 ans, bah c'était le mieux, quoi. Mais Orange, je trouve que là où Orange a réussi à avancer, on va dire, ou à s'adapter, y a eu une baisse de qualité du côté de SFR. Sur à baisser en qualité, même sur téléphone. SFR, ouais. Oui, bah SFR, oui, c'est ce qui se dit depuis quelques temps. Hein. SFR, ils ont une perte de qualité et une perte de... une perte forcément de clients. Hein. Forcément, ça suit, hein. Et j'ai plusieurs fois, et Free, ils ont raison, hein. Free, ils font de plus en plus de démarchages téléphoniques en disant, oui, machin, on sait que vous êtes chez SFR et tout. Je sais que vous savez où est-ce que je suis, chez qui je suis, machin. Mais, lâchez-moi la grappe, quoi. SFR, vous n'êtes pas dans le coin. Vous avez rien dans le coin, en fait. Dans mon côté de campagne, vous n'avez rien du tout. Les antennes des stations, c'est Bouygues Télécom qui a tout. Le réseau qui passe, c'est surtout le réseau Orange. Dans les vallées. Et partagé avec SFR. C'est Free, vous avez rien en fait de mon côté. Vous êtes surtout dans la ville en fait. Dans ma petite ville de campagne, vous avez aucun marché. Vous avez rien. Ça sert à rien de faire du démarchage de mon côté. Surtout que Free est plus abordable en termes de prix sur les abonnements. Ouais, en fait, le patron de Free se défendait là-dessus en disant que leurs prix sont plus abordables et que même pendant que SFR, ouais... En fait, Free s'est défendu un moment en disant, parce qu'il avait eu des problèmes avec le gouvernement, je crois, en disant, j'ai des prix abordables, mais c'est pas un problème de concurrence. En fait, mes prix sont abordables et tout marche très bien. Alors que d'autres, font des prix plus gros et ont le même service que moi. Enfin, et vous voulez que j'augmente les prix alors que je fais en sorte que les gens puissent avoir une bonne connexion à bas prix. Je sais pas, on a le même service que tout le monde, même voire mieux. Et en plus, on a des prix plus bas et tout va bien, enfin, je sais pas. On en avait parlé avec Diarré de ça en large et en travers, on en avait parlé. Et oui, Free a eu des problèmes. En fait, il y avait un pacte, je crois, entre Orange, SFR et Bouygues Télécom, en mode ouais, on se met pas de bâton dans les roues, machin, on est les trois seuls sur le marché, donc autant faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Et il y a Free qui a débarqué et qui a dit bonjour. moi je vous emmerde cordialement la direction et je fais ce que je veux. Parce que ça a peur d'être pris pour concurrence déloyale. Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout que les trois autres, en fait, ils étaient en accord. Et Free ne fait pas partie de l'accord alors qu'ils étaient que trois sur le marché encore. C'est juste que Free s'est lancé sur ce marché. Et les trois, alors que les trois autres, ils avaient pas de concurrents. Ils étaient tous les trois. Enfin, ils avaient pas de concurrents. Ils étaient concurrents entre eux. Au vu des gens, mais ils avaient toujours les mêmes technologies et avançaient toujours de la même façon.
soit au niveau des prix ou du reste. Et Free, en fait, c'est pas de la concurrence déloyale ou illégale. C'est juste que Free est arrivé, a vu ce qu'il pouvait faire et a juste fait, bah en fait, vous n'avez pas besoin de mettre aussi cher. Vous mettez à ce prix-là et puis ça marche très bien. Techniquement, leur accord est à la limite d'être illégal. Oui, oui, bah oui. En fait, ils sont concurrents parce que voilà, ils cherchent toujours à avoir le plus de personnes possible. Mais voilà. Après, je sais pas si l'accord a été dissous ou quoi à cause de Free et de SFR qui est en train de se casser la gueule. Mais oui, Free est clairement l'opérateur. T'es en France, tu veux un opérateur, tu vis en ville, bon bah oui, tu vas privilégier Free. C'est normal, et je comprends totalement. Le rapport qualité-prix est indéniablement le meilleur. Qu'est-ce que ce serait arrangé pour que les prix, ce qui est interdit entre concurrents. Ouais, mais ça, tu vois, ça a été passé sous... Ça avait été passé sous silence. Tu vois, c'était passé sous silence. Après, est-ce que leur accord a été dissous ou pas, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils essayent d'avoir encore un truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que SFR est en train de tomber et ça pourrait arriver pour les autres. Beaucoup sont au courant, surtout ceux qui étudient les sciences sociales. Ouais, voilà. Ben voilà, du coup. Il y a eu de grosses amendes à cause de ça, il me semble. Alors, je sais pas, ça faut demander à Diary parce qu'il est plus calé dans le sujet que moi. Mais oui, il me semble qu'il y a eu des problèmes vis-à-vis de ça. Et ils avaient aussi envoyé, après les trois là, ils avaient envoyé SFR, ils avaient porté plainte contre SFR pour concurrence déloyale. Mais après, vu que leur truc a été découvert, bon voilà. Même pendant le Covid, hein, il y a eu des problèmes avec Free. Hein. Free avait été envoyé devant le tribunal par les trois là. Mais là, il y a eu des problèmes avec le Covid, comme tout simplement, leur prix, apparemment, vu par l'État, était trop bas. Alors que, en fait, non. C'est juste les autres qui ont un prix trop haut. Et c'est des gens qui se permettent de dire que le prix est trop bas alors qu'ils y connaissent rien. Et c'est ça qui est fou. Les gens, il y a des gens qui connaissent rien, qui critiquent alors que justement ils y connaissent rien. Alors peut-être que effectivement le prix est trop bas pour le service rendu, j'en ai aucune idée. Mais s'il est aussi bas, c'est que ça marche. Et que le prix est tout à fait honorable. Il est honorable et bon en fait. Juste que le prix c'est juste que même avec des prix réduits, tu peux quand même payer tes employés. Ils font pas 20 milliards d'heures. Oula. Ils font pas 20 milliards d'heures pour avoir un SMIC et puis tout va bien. Hein. Mais ouais, je vais certainement passer chez Orange parce que SFR peut plus. Puis au moins Orange, j'ai pas besoin de faire 100 km pour.
pour aller en magasin et puis avoir un conseiller. Ah, vous voulez un conseiller, aller en magasin? Bien sûr. Une fois SFR, ils m'ont dit, ouais, vous voulez un conseiller? Il faut aller en magasin, monsieur. Je vous appelle. Quand je vous appelle, ça me dit clique, appuyez sur tel numéro pour avoir un conseiller. Vous êtes censé être un conseiller. Non. Et vous cassez les couilles. Les trois anciens étaient en oligopole. Donc voir un nouveau qui réussit alors qu'il avait le marché. Alors qu'ils avaient le marché à eux trois, a dû leur faire peur. De plus, SFR a un SAV qui est terrible. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que je dis. J'appelle pour avoir un conseiller. Ils me disent allez voir en magasin pour avoir un conseiller. Mais allez vous faire foutre. Donc ouais, je suis désolé, non. Ça marche pas. Oh, plus avec Velkos. Mais ouais, de pire en pire, ouais. Alors, j'espère que ma co va mieux, là, et que j'aurai pas de problème, parce que je me suis déjà pris... une minute, parce que voilà. Mais j'espère que je vais pas avoir d'autres problèmes... d'autres problèmes de co, là, parce que c'est prévu ranked aujourd'hui. Comme c'est dit dans le titre, bon, j'ai fait une seconde à RAM, malheureusement, mais bon. Après, la façon générale, les télécommunications ou des SAV ont des SAV terribles, mais celui de SFR, c'est le pire, effectivement, ouais. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Ah, solo queue. Je veux faire une duo queue, Lucky, ou pas, du coup? Vu que t'es là. Tant qu'à faire. Le nombre de parents qui râlent des opérateurs, ouais, bah oui. Normal, hein. Là, je peux pas maintenant tout de suite. Bah, ok, bon, bah, à la prochaine, peut-être, on va voir. Oh, le poste de support est prioritaire. Oh, trop bien. On va ressortir la Zaira, refaire DS. D'ailleurs, je vois que vous êtes trois spectateurs, là. Je sais qu'il y a Lucky. Il y a peut-être... Il y a peut-être Yo-Yo qui est revenu. Mais c'est qui le troisième? Parce que vous êtes trois spectateurs, il y a toujours des gens qui parlent pas. Vous avez le droit de parler, il y a un chat, il est fait pour ça. Hein. J'ai ban personne. Hein. Sauf un hater de... Y a, voilà, mais... C'est un hater. Aujourd'hui, je pense pas, ce sera sûrement possible d'autres jours. Ok, pas de problème. Ah, pas de problème, écoute. Alors, de manière générale, on va dire ce week-end, donc il y a un week-end de 3 jours, hein, je vais essayer de pas jouer, enfin, de pas jouer, je vais essayer de faire d'autres vidéos, essayer de prendre un peu d'avance, donc je pourrais peut-être jouer à certains moments, mais pas forcément, si jamais. Après, si vous me voyez connecté, vous pouvez venir jouer, hein, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Au moins vous êtes prévenus. Enfin, pour ceux qui regardent la VOD, on est lundi. Et cette VOD est sortie à midi, donc là, ça fait à peu près une heure. Bah, vous êtes au courant, quoi. Donc là, si vous êtes sur la VOD, là, que vous ouvrez votre LOL, là, ça se trouve, je suis en train de jouer. Mais je pense pas. Je pense que je serais surtout en train de faire du montage. Ou en train de regarder un animé. Il n'y a pas d'animé à cette heure-là le lundi. Bref. On est en vert. Bien. Mais après, ouais, tu regardes Windbreaker? Oui, Windbreaker, ouais. J'ai vu le dernier épisode qui est sorti hier. Il est sympa. J'ai bien aimé.
Et je regarde sur Crunchy, hein, si jamais je regarde sur Crunchyroll. Donc il est sorti hier, je crois, vers 7h, 7h30. Ouais, idem. Après, j'en regarde une dizaine, je crois, hein, dans la semaine, j'ai une dizaine d'épisodes que je regarde. Il y a quoi? Il y a Windbreaker, One Piece. Après, je retiens pas les noms, mais il y en a un, c'est un anime avec un sorcier et des cercles magiques. Il y a Mojoku. Non, c'est comment? Celui avec le mage, là, le gars qui se réincarne en mage. C'est la deuxième saison, là. Avec Nefi. Pas celui que j'ai préféré, c'est le deuxième combat. Ouais, le. Ah ouais, le. Alors, si on peut appeler ça un combat, hein. Excuse-moi, mais. C'est pas un combat, c'est une humiliation. C'est. J'ai bien aimé le deuxième combat, ouais. Si on peut appeler ça un combat. Le gars, il est comme ça. C'est le gars, il est comme ça, il est là. Frère! T'esquives les coups et puis quand il passe, tu lui donnes un petit coup dans le dos, une petite impulsion, histoire qu'il s'en aille, que tu puisses te remettre comme il faut. Re-yo-yo, ça va? Il fait le torero, c'est ça, il en a rien à foutre! Ça va, yo-yo? Comment il va ton tibia? Bien, j'espère que je vais pas crash parce que vous êtes là du coup. Enfin, pas crash parce que vous êtes là. Non, mais j'espère ne pas crash parce que justement, j'ai des gens dans mon chat. Voilà. Alors oui, je fais comme ça parce que mon téléphone, il est là pour le chat. Vous êtes quatre, bien. T'as fini le Freien, quoi? Le Fire End. Je vois pas de. Merde. Je vois pas ce que c'est. Attends. J'arrive pas à prendre mes items. On me propose même pas les bons items. Ça se lit. Frieren. J'ai le tibia cassé. Ah bah oui, bah oui. Frieren. Frieren. Ça me dit rien, Frieren. Le E se prononce pas. Frirn! Oh, chiant, hein! Bon, bah, bonne chance pour ton tibia, hein, yo-yo. Tu vas être combien de temps avec le tibia cassé? C'est quoi? C'est 3 semaines? Je sais pas combien de temps ça se met à se ressouder. Courage et bon rétablissement, ouais. Bon courage, bon rétablissement. Il va suivre mes vidéos, ça va l'aider à se rétablir. Je te conseille comme animé, c'est très sympa. D'accord, bah j'irai voir. Ah mais c'est pas là l'elfe mage qui part à l'aventure explorer le monde. Et du coup quand elle revient, bah en fait tous ses amis ils sont morts parce que c'était des humains et elle c'était une elfe. Et du coup elle a survécu plus longtemps. Si, ouais, c'est bon, ouais, ok. Je vois, merci. Ouais, j'ai pensé à le regarder, mais. Mais voilà. Je sais pas, j'avais peut-être trop d'animé ou quoi à ce moment-là. Donc, ouais, je sais pas trop. J'ai même pas regardé s'il y avait. Ah, oh, une Caitlyn sans item! Oh, l'animation qui va trop loin comparé au reste, sérieux. Même les carnets de l'apothicaire est un animé très sympa aussi. J'y ai pensé aussi. Mais je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé le carnet de l'apothicaire. Je sais pas, j'ai des animes qui ressemblent. Et j'étais là en mode, ah, je l'ai regardé. Non, tu l'as pas regardé, pas du tout. Tu l'as pas regardé l'animé. Mais oui, j'avais pensé à le regarder, ouais. Mais je l'ai pas regardé non plus. Je sais, j'abuse.
J'arrive pas à les toucher, ils m'énervent. Mais Kate, en fait, Kate, elle donne envie de la taper parce qu'elle a pas d'item. Donc elle fait pas énorme de dégâts. Hein. Sort. Ouais. Alors, c'est la deuxième, troisième fois que je vois une Kate, en fait, sans item dès le départ. Alors, je sais pas si c'est la même Kate et elle oublie ses items à chaque fois. Ou si c'est fait exprès d'être Kate et de partir sans item au début. Je sais pas. Enfin, un abatteur, limite. Un abatteur de potions. Enfin, t'as le temps, quoi. Ah, mais ils ont une Soraka top. Ah, ah, ah. Soraka top, l'HTP Aeri. Oh dude. Ah, je crois que Kate vient de se rendre compte qu'elle avait pas d'item en fait. Waouh, je viens de me rendre compte. Je t'avouerai que les animés de cette saison, je les trouve pas trop attirants à part 3/4. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, je sais bien. Je sais pas. Moi, Remonster, j'aime bien. Il y en a 2-3 que j'aime bien. Au début, Remonster, tu dis ouais, c'est des gobelins et tout, c'est pas trop attirant. Bah, l'histoire est sympa en vrai. Soraka top face à Eloy. Ça peut être très fort, ouais, enfin. Soit dans ce cas, la Eloy est pété. Enfin, pété en mode nul. Soit dans ce cas, c'est la Soraka qui est forte. Oh putain, elle vient de la tuer. Ouais, mais après, Eloy va faire masse erreur, je pense. Hein. Ah, elle a enfin pris des items, mon dieu. Après, je suis désolé, mais faut vraiment être nul pour perdre face à une Soraka. En fait, elle va... Voilà, donc déjà, elle a pris une armure ancière, c'est très bien. Mais en fait, elle va juste vouloir poutrer Soraka. La Soraka peut juste jouer à distance et Eloy peut rien faire. Bah, il faut juste que Soraka parte dégâts, en fait, du coup. Enfin, après, Eloy, elle a quand même son E, hein. Tu vois? Elle a son E, hein. Donc ça peut... Ça peut... Voilà. Mais oui, après, oui, après, elle a juste à jouer full auto, et puis voilà. Mais après, dans les teamfights, elle servira pas à grand-chose. Le silence est tellement fort quand même. Ouais, c'est vrai. Oh merde, j'ai pas pu l'ignite. Putain, je suis une merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Aïe. Bah ouais, j'aurais pas ignite le bon. C'est de l'acharnement là, faut arrêter. T'as heureusement que j'étais là pour follow la sèche, hein, mais... Je sais pas où est parti MF, mais trop loin. Ouais, de toute façon, elle fera rien MF, elle va pas taper. Autant que je back. On me propose plus des bons items, on me propose des items de merde, là, maintenant, sur mon perso. Je suis à combien là? Brouillard. On me propose des items de mid lane sur Mazira, ça m'énerve. Enfin, regardez dans les items conseillés quoi. Ce qu'on me propose là. Même les bots, normalement je prends celle-là. Alors les semelles symbiotiques, c'est. Avant c'était. Alors je prends soit les chaussures de sorcier, soit les anciennes bottes de mobilité. Qui ont un autre nom aujourd'hui. Mais Eh
MF est horrible. Elle pense qu'à son farm, elle en a rien à foutre du reste. Alors j'ai vu mon auto partir, je me suis dit je la tue avec mon auto, mais pas du tout, c'est MF qui l'a tué. Comment, je ne sais pas. Ça j'ai l'air bien. Oh, costaud là, là le blanc. Mort d'un gang, Laylay. Bien wesh. Je me suis décalé pour elle, elle a... Ouais. Elle a pas assuré un cachot. Après, une fois, j'avais une Illaoi qui jouait TP et elle jouait quoi? TP fatigue. Elle a fait une autoroute à 14 minutes. À 14 minutes, elle était ici. Genre, à 14 minutes, elle était là. J'étais en mode, what the fuck. Il y a aussi un truc que j'ai vu. La Corée, je crois. C'était les SKT. Ils ont joué contre une équipe de NA. Ils les ont annihilés. En 18 minutes, ils avaient fini la game. Ils avaient même pas fini la game, qu'il y en a, ils avaient déjà fini leur PC, ils avaient déjà quitté leur PC. Ils étaient en train de détruire le Nexus. J'étais là, j'étais, mais non, mais non, mais non, mais quoi? Oui, ils avaient quitté leur PC, ils avaient même pas fini le jeu. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils étaient dépités de voir les NA aussi nuls, alors qu'on sait qu'ils sont nuls, alors qu'on sait que les NA sont nuls. Les gens du serveur NA, ou alors je sais pas. Honnêtement, en termes de niveau, ceux qui jouent sur les serveurs NA sont considérés comme étant les moins bons. Je joue en solo là, sérieux? Alors honnêtement, hein, là j'en ai rien à foutre de mon ADC, je vais juste tout prendre. Et la plate. Parce que elle est. Voilà, même elle, elle me demande de taper. J'allais pas attendre qu'elle me le dise. Après honnêtement, il n'y a personne, hein, donc autant taper, hein. Après, ouais, si tu regardes normalement, en termes de jeu, un support qui fait ça, bon voilà. Mais au vu du niveau de mon ADC, même si elle a 2 kills, je préfère jouer comme ça. Pas ouf le soin, bon il m'a touché mais... Oh ils ont les 3 larves, sérieux, vous assurez pas un cachot? Merde, j'ai flash. J'ai miss. Ah, mais ils ont les 6. Mais ils ont les 6 larves! Oh, dude. Oh, ça va être chiant. Ça va, le blanc? Bon, après, t'es exécute, t'es pas. Mais quand même.
Plus de mana, pas grave. Au moins je l'ai mis mal. Ah. Ouais, j'arrive. Je prends juste ça pour du mana. T'inquiète, ma grande. Bah voilà, t'as fait un kill en solo, c'est bien. Attrape-la. Lance un ult, fais quelque chose. Oh, bonjour. T'es sûr qu'il y avait au moins une droite par là. Désolé. Désolé, ça, j'étais trop lente. Ok, bah rien à foutre, ok. Ça, je t'aurais pu tank. Hein. MF, c'est pas une bonne idée de bouger. Ah non, j'ai un. Autant pour moi, je pensais qu'ils avaient pris l'Hérald, mais pas du tout en fait. C'est juste que j'ai un bac amélioré par rapport à mes bots. Par contre, macro game, pas ouf, hein. Pas ouf la macro de Sej. Ils ont déjà deux camps, épique, et nous on a zéro. La macro jungle, pas ouf, hein. Il a claqué son ult. Il a vraiment claqué son ult. Après, il y a un Hérald à faire. Bien wesh. Quatre sept là, Kali. J'ai une. Alors la plante là, elle est juste là en protection au cas où elle décide de me foncer dessus. Hein. C'est juste pour ça. Elle me suit. On a 2 minutes. 2 minutes pour faire un Hérald. Alors, je crois honnêtement que. Ouais, il y avait ici.
Ouah, mais c'est une Soraka top. Ah ouais, bah je vais mourir pour la first pour la première fois. Ouais, mais les gars, vous assurez pas un caillou, hein. Il a œil en 1-5 face à une Soraka. Bon, elle est en 1-1, hein. C'est totalement lui qui a tout fait. Mais sérieusement, non, il a œil mauvais. Bon bah tout ce qui est ouais alors attention à Lee Sin, hein. C'est Lee Sin qui a l'Herald. En termes de poche il nous défonce, hein. En termes de ce qui est combat on n'est pas ouf, hein. En termes de PvP ça passe mais on n'est pas si ouf que ça, enfin. Je me suis pris un catch là. Il m'a tapé, il singe. C'est sûr. Il a mass mid parce qu'il a foncé sur la tour en plus, cet enfoiré. En fait, petite astuce, hein, quand vous montez dans l'Herald et que vous foncez sur une tour. Oui, vous faites des dégâts bruts comme si l'Herald avait foncé de lui-même, mais en plus vous invoquez des mythes en ressortant. Alors que quand l'Herald fonce tout seul, il invoque pas de mythes derrière. C'est les bestioles qu'invoquent les larves du néant. Et que vous ayez des larves ou pas, peu importe, hein, que vous ayez tué une larve, une zéro, ça change rien. Il y aura quand même des mythes du néant qui apparaîtront quand vous claquez, quand vous éclatez l'Herald contre une tour. Contre un mur, ça fait rien, et puis vous perdez la capacité de pouvoir foncer avec quoi. Même prendre ça d'ailleurs. Bien la pile. Oh, le level de la team. Il y a un Drake qui arrive et ils vont tous se suicider, voilà. Ah, il y a du feeding de la part de Illaoi, il a un. Hein. Et là, c'est Jeannie, c'est pas top, hein. C'est Jeannie, les objectifs, elle les fait pas tant que je suis pas avec elle. Hein. Le Drake, j'étais là, elle l'a fait. L'Herald, j'étais là, elle a voulu le faire, sauf que Illaoi est morte comme une merde, alors qu'en plus, il me semble qu'elle était sous sa tour. Désolé, là c'est du feeding, il a rien. T'assures pas un caillou, t'assures pas un cachou même, t'assures rien du tout. Regardez, elle essaye de 1v5. Regardez, elle essaye de 1v9. Elle y arrivera pas.
Allez, ça a zéro résistance, tu es là, merci. Bon. Putain, c'est Eloy qui a pris le kill en plus sur la Soraka. Allez, vous êtes 3, vous, enfin vous êtes 2, vous l'avez quand même. Y a même pas de proposition de Morello. Ok. Niveau warding, c'est de la merde. Une alté divinatoire, mais il faut la poser, hein, parce qu'à 6 de warding, c'est pas ouf. Le top, bon, ça va. Hatch. 1, 3, 12, là, il... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, il est en ult, hein. Attention. Le heal de Soraka est cheaté, hein. Mais que je fasse quoi contre ça maintenant? Tant qu'ils ont pas le Nashor, ça va, hein. Bien. Oui, vas-y. Bien, MF. Il va back certainement le Lee Sin, non? In back. J'ai back moi. Oui. Tape le. Ah, elle a TP carrément. What the fuck? Mais c'est quoi ce Lee Sin? Malmortius, Hydrevoras, ciel éventré. Ok. J'aurais tellement dû faire le break. Bon, t'as ton smite, mais et Lee Sin est mort, mais. Ouais, non, ils ont le break en fait, j'ai rien dit, faites-vous le Nashor. Enfin, je serais le seul à pas l'avoir alors que je suis un de ceux qui. Bon, après, j'ai pas besoin de l'avoir vu mon bac, mais. Et puis il y aurait là aussi, mais bon. J'ai l'impression que mon warding est merdique. Oh bonjour. Alors qu'il est pas si merdique que ça en fait. Ok, bon. En vrai, voilà leur bot lane est dégueulasse. Mais tout le reste est bon en fait. Ils sont partout sauf en bot. Et c'est ça le problème, c'est que nous, ils sont
notre mid lane n'est pas mauvaise. En bot, on win. Mais c'est compliqué. En vrai, on win. En vrai, on peut win. Faut juste, voilà, faut juste protéger l'arrière-garde. Là. Ouais, voilà, voilà. J'allais dire, MF, je te sauve. Mais si tu meurs. Voilà quoi. De rien pour le. Elle est conne, elle y retourne. Mais retourne aussi pour mourir alors que je te sauve, connasse! Ah, tu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je regarderai plus tard le raid. Ok, ils t'ont emballé. Putain, ils sont tous là-haut. Ouais, non, le temps que j'arrive, ils seront morts. Hein. Mieux vos poches, hein. TP, je t'en supplie, TP. TP, il a oeil. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, je finis tout seul. Hein. Je finis solo. Il n'y a que Akali qui est pas morte. Bon, il la voit encore, étant donné que... J'ai le play. Ah ok. Non mais non en fait. Non monsieur. Certainement pas monsieur. Et non. Et non. Non non. Non non je ne le permets pas. Mais ma team. Bon bah faites ça. Ça. Je dead là. Après honnêtement ça poche tranquille. Hein. On a deux inhibs. On a deux inhibs. On a deux inhibs j'ai dit. Oui, 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 si, si, non, non. Bon bah tant pis. Ward là, je t'en supplie. Alors, excusez-moi, deux secondes. Je crois qu'elle est en train de se faire attaquer l'autre, non? On a quoi comme vue? Ouais, non, ça va, ok. Faites qu'elle l'est, bordel. Le blanc est là, putain. Ah, ça va, j'ai outplayed, ok. Ok, bon, elle a TP. Je crois qu'elle a utilisé ma ward, mais je suis pas sûr. Elle a TP, elle a cassé le truc, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Elle a fini le travail que j'avais préparé, tout va bien. Ils sont allés, il y avait un combat top, je pensais qu'ils allaient crever, mais non, tout va bien. Bah, j'ai mis un peu de temps à tout détruire parce que j'ai pas... Mais voilà. En vrai, good job de la part de ma MF, en vrai. Elle était... Je la trouvais pas ouf, mais bon. Coffre de... Récompense de classement coffre tech. Ah ouais? D'accord. Je suis faire un... Ouais. Oh putain de merde. Bon, on va remonter en bronze, hein. Faire 1, 76 LP.
Et j'ai un coffre. A plus. Ouais. Oh, putain. Ah, tu... 36. 36 000. Ah oui, je suis devant ma MF. Ah ouais, Lee Sin, ouais. Bon, Lee Sin, il était fort en vrai. Hein, ouais. Mais Illaoi, bon, elle a repris des dégâts par. Elle a refait des dégâts par la suite, elle a repris des kills. Mais bon, voilà. 11 morts de la part de Sej. Sej était bof, hein. Sej était bof en vrai. Mais après, oui, le Nashor, ça nous a permis de bien avancer. J'aurais parié sur un Drake. Mais c'est vrai que vu qu'ils étaient top, ils avaient intérêt à se faire le Drake. Le Nashor. Et le Drake, ouais, ils étaient trop loin. Ils ont eu raison. My bad. Mais ouais. S avec MF, S avec le blanc, voilà. J'ai fait un S plus ou un S moins, un S moins. Un, non, même pas, un A plus. J'ai même pas fait de S. Mais j'ai un coffre. Tant mieux, hein. Tant mieux, hein. J'ai fait combien en score de vision? 2, 6, 89, ouais. Allez, ça reste sur 5 parties. Bon, ben... Ok. Ouais, alors oui, bon, bah ça va en vrai, hein. c'est le level que j'ai. Alors, ce qui est con, c'est que j'ai joué, il y a pas longtemps, j'ai fait une ARAM, il y avait que du gold, du platine et de diamant, dans ma team comme dans la team d'en face, j'étais non classé, mais là, vous voyez, je suis classé normalement bronze, à peu près, mes deux dernières saisons, j'étais bronze. Je joue avec du gold, du plat et du diams. Expliquez-moi. Oui, on a sauté l'émeraude, hein. C'est gold plate, il n'y avait pas d'émeraude, c'était du diams. Vous m'expliquez. Et là, je suis fer 1. Ah, voilà, maintenant que j'ai un classement de fer 1, je vais me retrouver avec des bronzes, des argents dans mes games. Bon, voilà. Je fais une pause de 5 minutes. Je reviens et puis on relance une game. En espérant que ça ne crache pas. A tout de suite. Re.
une mise à jour. Sur votre retour, nous avons sanctionné un joueur qui a abusé du chat textuel lors d'une de vos parties récentes. Vos signalements et ceux de vos équipes nous aident à préserver la communauté. Alors, merci, comme d'habitude. Bon, on relance une game. C'est parti. Lucky, Yo-Yo, vous êtes toujours là ou pas? Au cas où, hein. Parce que je sais que vous parlez peut-être pas pendant les games pour éviter que je sois déconcentré par le chat, peut-être. Je sais pas, et merci. C'est le cas. Parce que vous étiez 4 pendant le truc, j'ai bien vu. Vous étiez 4 spectateurs pendant les games. Plus que 2 après que je sois parti. Alors, c'était où d'ailleurs les... Alors, je cherche parce que dans les clashs, quand on gagne les clashs, vous savez, vous avez des récompenses. Et en l'occurrence, les bannières. Les bannières de clash, elles s'affichent, machin. Bon, les logos, on s'en bat les couilles. Je sais plus comment je fais pour sélectionner une bannière de clash pour qu'elle soit affichée dans la faille. Parce que c'était possible à un moment, mais je sais plus comment on fait. Ou alors, c'est par là. Peut-être, je sais pas. Moi je vais jouer... Ah je pense que je vais jouer Zira en sup. C'est le gars. Le gars il sait déjà ce qu'il veut jouer. Il fait genre il sait pas. Ok. Oh non, ma bonne Zira! Mon enfoiré! Pas parce que je suis fort avec ce perso qui forme le ban! Il est où, mon? Je suis sûr, il y a un stream hacker! Sors de mon stream hacker! C'est le gars! J'ai dit que je prends Vel'Koz, je le prends! Parce que je vais très certainement le prendre, le Vel'Koz, hein, d'ailleurs. C'est con, Vel'Koz, déjà, ça a pas de mobi, alors si tu prends H en plus. J'ai la speak, en plus, moi, ça m'arrange. H, ah mais H support, du coup c'est pour ça que ça banne Zira. Le deuxième, ça banne Blitzcrank. Je pense qu'il voulait faire une H Senna. Lucian en mid lane face à Z. Okay. Là ce qui m'intéresse c'est leur ADC. Leur support. Nami en support. On va faire un carton. Alors, je pourrais jouer Ziggs TP Ignite, oui, Ignite TP, on s'en fout. Mais le jouer Ignite TP reviendrait à être du troll. Je suis un gros troller, oui. Non, je déconne. Non, oui, ça reviendrait à être un peu de troll. Et j'ai pas vraiment envie de prendre une TP. Surtout en quête, je le ferai pas. Même si je l'ai déjà fait en draft. Je ne ferai pas cette erreur en rank. Faut pas faire ce genre de choses. Surtout que je suis en rank avec des iron, bronze. Ok, des bronze silver. Bien que j'ai été noté iron 1. 49. Ah ouais. Maîtrise 49, je compte sur toi. Hein. Par contre, le Lucian... ouais, voilà. Lucian face à Z. Hein. Z a épique avant. Hein. Je sais pas si c'est...
On a quoi? De l'iron dans ma team. En fait, ils sont full bronze sauf le top. Le top va falloir prendre anti-heal. Hein. Anti-heal, top. Atrox. Hein. Atrox, son dash, la capacité passive de son dash, c'est qu'il a de l'omnivampirisme. Plus 10-15%, je crois. Ça, c'est fort. Hein. Ok, un bon placement de la team, j'aime bien ça. Même si Kane devrait plus être là. Ouais, non, Cassante devrait être plus bas. Il s'appelle comment, Nadalio? Kane Darkin. Conquérant. Lee Sin. Alors je sais pas si Lee Sin c'est fort en ce moment, enfin en termes de tankiness. Mais celui qu'on a eu la partie d'avant était bien tanky. Hein. Surtout au vol de vie. If he don't auto me. I don't play anti-heal. Normally Atrox player don't AA me. So why take it in the first place? Ok. J'ai tellement envie de mettre un Q sur les sbires là. Ça c'est fait. Et ils viennent d'avoir leur level 2. Ok. 78, un crit, ok, pas mal. J'aurais dû prendre autre chose à la place de ça. C'était sûr, ma grande. Hein. Ah chier! Pourquoi elle est revenue elle? Ah et bah pour eux. Oh, ils ont tout claqué, y'a plus rien. Plus aucun sonar. Perso ça m'arrange. Hein. Ils ont plus aucun summoners. Nous on a un kill, bon c'est du 2 pour 1, hein, leur part. Donc eux ils sont à la cool. Là, il y a un gank mid, ouais.
Lucian qui va s'en sortir, il y avait eu un... Ouais. Pourquoi tu vas là-bas alors que je suis de l'autre côté? Bon, alors j'ai int, mais je voulais qu'il vienne vers moi à la base. Mais c'est solide, hein, Lee Sin, hein. C'est fou, ça. Il est tank, le Lee Sin, hein. Putain! Mais ils foutent quoi? Oh, tchou! MF! Non, bah non, 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 tu prends ça avant de... Qu'est-ce que tu fais? Bon, après, certains vont dire, t'as int. Ouais, mais excusez-moi. Je veux comme il le faut. Oui, là tu les as, oui. C'est Yo-Yo. Ah, Yo-Yo, ça. Alors, ouais, t'as juste changé le 34 en 38. C'est pas grave, c'est t'inquiète. C'est le même Yo-Yo le boss, y a pas de problème, c'est Yo-Yo. Yo-Yo, c'est Yo-Yo, hein. T'inquiète, hein. C'est pas parce que tu changes de pseudo que je t'ai pas reconnu. Waouh. Ah, ouais, bon, là, je suis mort. Mais je clique ici! Vous avez bien vu, j'ai cliqué le bush, il est parti de l'autre côté! Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries! Oui, je commence à parler. Oui, j'ai oublié le mot de passe de l'autre compte. Ah, bon, bah tu fais, j'ai oublié le mot de passe et puis c'est bon, t'inquiète. Tant que t'oublies pas ton mot de passe, lol, ça passe, hein. Ouais, déjà, prendre Lucian de face à Z, c'était une mauvaise idée, déjà. Hein. Mais en plus, quand je t'avertis qu'il faut faire attention et que tu ne fais pas attention. Oh, j'ai pas touché. Bon, après, on a les larves pour l'instant, ça va, on n'a pas le Drake, mais ça va. Touché. Bon. Pourquoi on a une contrôle ward là-haut, je ne comprends pas. Mais casse-toi! Ah, elle est terriblement chiante, hein. Terrible. En plus, elle joue n'importe comment. Elle a plus de mana. Bon, MF est terriblement nul aussi, hein.
n'avance pas. Bien. Mais je l'ai touché! Jeu de merde, quoi! C'est quoi le but du jeu, Ender? Je connais le but du jeu. Non? Je connais pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de détruire ça. Le Nexus. Ah, ah non. I'm not gonna die. Ah, ok. Depuis quand les gens ils vont là-bas derrière, sérieusement? Avant personne ne passait là. Là j'étais tranquille. Je baquais tranquille. Maintenant il y a des gens, ils y vont. Ok. Bah ok, maintenant que. Ouais. Fait chier, hein, vous faites chier à prendre le jeu. Les gars. Vous pouvez pas retourner jouer à Roblox ou à Fortnite. Ah. Oh, l'explosion de mon ult qui a caché mon Q. Juste insane. Il a volé les larves, il en a volé combien? Bien, il a tué le Griffin. Aïe. Flash en plus, te conne. Tape, mais tape, mais putain, il casse les couilles. Je la tue quand même, j'en ai rien à foutre. Je la tue quand même, rien à foutre. Bon, en même temps, l'ami est pas si. Est pas si forte que ça, l'ennemi. Hein. C'est bien meilleur. J'aime bien ces bots qui te donnent un rappel amélioré. Les bots qui donnent un rappel amélioré, c'est cool. Bon, après, il faut faire. Il faut se déplacer sur 150 000 unités pour pouvoir débloquer au-dessus. C'est-à-dire au lieu d'avoir 35 de vitesse de déplacement, bah t'as 45 et tu... Plus un bonus en dehors des combats et tu conserves ton rappel amélioré. Mais ouais, c'est cool. Bon, le Ken il a 5 larves, c'est bien. Mais. Ah, putain. On recule. Il est pas assez en bot lane le. En fait, il est beaucoup en top lane, donc il joue beaucoup sur les monstres à push. Mais il est pas assez en bas. Il est en 6-3 Lucian. Oh.
Mais il est pas assez en bas sur les. Sur les Drake, bon, qui sont les monstres à PvP, hein. Mais... Elle meurt de la tour, elle meurt de la tour, elle meurt de la tour, elle meurt de la tour! Suis en 4-8, c'est pas ouf. C'est pas ouf! Mais tu veux faire quoi avec une MF qui joue, qui essaye de jouer KDA et qui fait de la merde? Avec un Kayn qui est uniquement top? Et qui le bot, il s'en bat les couilles, on le rappelle? Tu veux que je fasse quoi avec des gens comme ça, sérieusement? Cinq% c'est combien? 25 et là c'est 25. Qu'est-ce qu'il fait avec l'Herald ce con? T'as plus de tour ma grande hein. On peut plus. Bah non, il a foncé contre un mur. Ou il a foncé pour arriver plus vite. Je sais pas ce qu'il a fait, une connerie encore. Mais là du coup il va pas foncer. Oh bonjour. Tapez ça, tapez ça, tapez ça. Ils m'ont pas attaqué sortie de l'Herald. Ça passe en vrai. Bon warding est pas ouf hein, par contre. Enfin, quand tu regardes celui de mes alliés, il est pas mieux. Hein. En 6. Je crois que ça lui a rien fait mon ult. Ok, go. Ok. Ok, je vais là. En plus, il y a Z cool. Alors, du coup, Luden. Ok. En vrai, Lucian en 9-5, ça passe. Mais la MF elle joue beaucoup trop safe.
J'ai fait de la merde. Du coup. Parce qu'à contrario, moi je joue pas si safe que ça. Pourquoi il l'a mise là, sa control ward? Bah excuse-moi frérot, mais moi je vois un full team, je me barre. Mais j'ai tué Nami en plus, je sais même pas comment je fais. Mais j'ai tué Nami en plus. Le level est terrible. Ah c'est bon, moi je me suis habitué à jouer avec des golds, enfin... Pas avec des... Mais on le voyait, c'était wardé en plus. Ça. Putain, chier. Je joue avec des ornithorynques. C'est pas possible autrement. Je joue avec des ornithorynques. C'est... Les gens n'ont rien à foutre de ce game. Comment ça me gaver. ?37%. Ouais. Dommage qu'elle soit pas descendue plus bas. Là, elle va régénérer jusqu'à 50, je dirais à peu près. 66. S'il avait descendu plus bas, elle, elle serait remontée. À... S'il l'avait descendu au moins à 32 HP, elle serait ressortie. Je sors de l'hôpital, je rentre chez moi et je reviens sur le stream. D'accord, ça marche. À tout à l'heure, Yuyo. J'espère que j'ai gagné cette game. En tout cas. Hep, 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 il va où? De rien, frérot, hein, t'as rien foutu. Hein. Enfin, si, allez, tu lui as fait peur, je suis gentil. Vous les aurez jamais, hein, les gars. Vous allez juste tomber dans un traquenard. Hein. Vous allez juste tomber au milieu de leur prochaine wave de sbires. Ils vont vous éclater dedans si vous continuez. Voilà. Faut juste m'aider. What? On en parle que le Kane il s'est fait tabasser. Il a même. Quand, pendant qu'il était en train de back, il a rien senti. Il était là en mode non, je back. Mais non, je back. Ah ah, non. Pourquoi tu back? Alors que tu te fais taper par des sbires. Enfin, je suis désolé, monsieur. C'est indécent. Vous ne devriez pas pouvoir, en fait. Et moi, je me fais taper par un Z, je meurs. Voilà. Niqué. J'avais demandé de l'aide, hein. Y a deux abrutis là, tu sais pas ce qu'ils font. Putain, il est en 0-3. Putain, bon l'eau. Bon l'eau. Le monde en Iron.
Le monde en iron. Alors vous allez dire oui mais pas là, t'es en 7-10 quand même. Oui je suis en 7-10 mais je fais quelque chose. Déjà j'ai 7 kills déjà, si je suis mort 10 fois. J'étais en 2-8 tout à l'heure, d'accord. Hein, ça montre que je fais quelque chose, qu'il me fallait juste des dégâts, d'accord. Premièrement. Deuxièmement, il va avoir le last drag, donc ça commence à me... Hein, voilà. Et en plus, il n'y a pas warding, c'est de la merde. Hein. Lui, il est à 11, c'est de la merde. Toi, t'es à 22, c'est de la merde. Faut faire quelque chose, là. Hein. Oui, mon warding est pas ouf. Je suis à 56. 56 à 25 minutes. Oh, voilà, voilà, voilà. Tu nous as habitués à mieux, Paladion. À mieux. Pourquoi tu fais pas mieux? Bah parce que j'y arrive pas en fait. Je sais pas ce que fait Kane, je sais pas ce que fait MF, je sais pas ce que fout ma team. Si on peut encore appeler ça une team, bordel, une team. C'est un putain de zoo. Je joue avec un zoo sur pattes. Non, tape ça, tape ça, tape, tape, tape. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tape ça, bordel à cul. Mais ils sont cons. Mais ils ont... Oh putain, ils ont deux de cuit. Allez, toi aussi. 8. Mort de lutte. Merci Lucian de au moins faire quelque chose. Le Drake, le putain de... Force, merci. Merci. Enfin, c'est plus que de la que de la force là qui va me falloir là, c'est de... Inspire, expire. Ouais non, je voulais lancer un ult, mais ça aurait pas fait. Ok. La protéger celle-là, je sais pas. Avec Asante, il a... Bon. La tourbotte va tomber, je pense. L'item torche noire, j'aime pas. C'est un nouveau, ouais, j'ai vu, mais j'aime pas la description de cet item. L'item en lui-même donne pas envie en fait. C'est genre, ils ont repris ce que faisait le buff des larves en fait, et ils l'ont intégré à un item. Sauf que c'est des dégâts magiques et pas des. Sauf que c'est des dégâts magiques. Et pas de dégâts bruts, en gros. Pour les AP, je trouve ça bien. Avec Zira, c'est fort, je pense, avec les plantes. Ouais, oui, ça peut être fort avec les plantes. Oui.
C'est vrai. C'est vrai que ça peut être fort avec les plantes. Par contre, ce qui serait fort, c'est d'avoir des alliés capables de jouer correctement aussi. En plus du Liandry, vu que c'est à chaque hit, ouais. Ouais, t'as... Non, mais je pense que t'as raison. Dans le sens où, ouais, si le Liandry, étant donné qu'il donne des... Après, non. Parce que... Comment dire, à partir du moment où t'as une source de dégâts, le Liandry a une source de dégâts. Donc ça veut dire que ça s'arrête jamais, en fait. Attends. T'es en train de mettre un doute, là. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc, du coup. Tu me fais penser à quelque chose. Oui, promu, bronze 4, 38 LP. Oui, j'ai pris... Bah 6, ouais j'ai pris 70 LP à peu près. Mais non mais je veux voir quelque chose du coup. J'ai pris 60 LP à peu près, tu m'as mis un doute sur quelque chose. On va faire un test en entraînement. Tu m'as mis un doute de fou sur quelque chose. Étant donné que ça fait des dégâts sur la durée. Et que le Liandry fait des dégâts sur la durée. Et que ça se réinitialise à chaque dégât. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir. Parce que tu m'as mis le doute sur un truc là. J'ai envie de voir ce que ça fait en jeu. Alors attends. Torche noire et Liandry. Ah, avec une compétence. Pardon. Ouais, non. Bah non, en fait. Parce que c'est... En fait, ils ont... Le Liandry, c'est qu'avec les compétences. Donc ça marche pas. En fait, t'infliges des... Quand t'infliges des dégâts avec des compétences, tu brûles les ennemis. En fait. Et ils ont fait ça parce que... en fait... Donc t'infliges des dégâts en plus. En fait, Torche Noire, c'est le Liandry, quoi. C'est juste que Torche Noire, c'est des dégâts magiques. Et tu gagnes 4% de puissance par champion ennemi. Monstre épique grand affecté par Flamme Funèbre. Donc Flamme Funèbre, c'est quand tu touches quelqu'un. Donc plus tu touches de gens avec Torche Noire, plus tu as touché de gens, plus tu vas gagner de puissance. Et donc plus tu vas faire de dégâts. Non. Compétences uniquement. Parce que si c'est chaque hit, ça voudrait dire que là, je mets un hit, le Liandry s'active, et Flamme Noire et Torche Noire s'active. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je fais des hits avec le tourment Liandry, eh ben, je vais faire des hits, la Torche Noire, les dégâts par seconde vont se réinitialiser. Et ça va être à chaque fois, tu vois, ça va tourner comme ça. Et du coup, ça va être dégâts sur dégâts sur dégâts sur dégâts sur dégâts. Le gars, la seule façon dont il soigne... C'est qu'il faut qu'il rentre, sauf qu'il peut pas back, donc il doit TP à sa tour, à la tour du Nexus, pour pouvoir revenir dans sa fontaine et ne pas mourir. Ce serait trop fort. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ou je me suis mal exprimé, peut-être. Ou alors c'est moi qui comprends mal, je suis dyslexique. Mais voilà, infliger des dégâts compétences brûle les ennemis, leur inflige un... Et là, c'est 2% de leur PV max en dégâts magiques. Chaque seconde pendant 3 secondes. En vrai, si t'es contre une team qui joue pas PV... Genre, y'a pas Shogat. Y'a pas de cuirassier dans ta game. Tu ne prends pas le tourment de Liandry. Tu prends Torche Noire, peut-être. C'est combien? 21 plus 3% de ta puissance en dégâts magiques. Ouais, en fait, non, j'ai rien dit. En fait, c'est pas très fort, donc je prendrai quand même le Liandry. Parce que 2% des PV max,
en dégâts magiques, tu feras toujours plus de dégâts que... Ah non, remarque, dégâts infligés au champion, 54. Ah ouais? Bon après là, il a 1000 HP. Mais si on part sur 1000 HP avec un Yandri, tu fais 52 de dégâts en 2 hits. 114 de dégâts en 2 hits. Et tu fais 100, 120 avec Torche Noire. En fait, c'est à peu près équivalent. Imagine les pleurs de Amumu, ça a l'air monstrueux. Ouais, vu que c'est une compétence en continu, ouais. Comme le, bah, comme le poison de Teemo. Alors non, pas le passif, pas le. Alors avec le E de Teemo, ça marchera, mais avec Twitch, ça marchera pas parce que c'est son passif, donc c'est pas considéré comme une compétence. Quoique, j'ai pas testé tous les champions. Mais bref, oui, avec Amumu, oui. Oui, avec Amumu, oui, tu vas faire des dégâts en continu, c'est comme si t'avais un Liandry. La même chose. Après, il faut savoir que. La fac de Morgana, oui. Après, il faut savoir que Torche Noire, ça, tu fais 21 de dégâts magiques, plus 3% de ta puissance. C'est un pourcentage, hein, sur ta puissance. Tu vois? 21 plus, bon, 15. Merde. Du coup, là, c'est marqué 21. Donc, c'est égal à 15 plus 3% de la puissance. Donc, 15 de dégâts plus 3% de la puissance de mon personnage. Je suis en train de faire bugger mon ordi. Donc, voilà. Alors que Liandry, c'est 2% des PV max en dégâts magiques. Ça veut dire que c'est 2% de mes PV. T'infliges des dégâts de compétences qui brûlent les ennemis. Leur inflige 2% donc de leur PV, donc c'est à eux, de leur PV max en dégâts magiques. Donc si tu tombes contre un tank genre Cho'Gath, tu infliges des dégâts avec Tourment en Liandry. Le gars, il a 3000, il a 10 000 HP. Bah 2% de ses PV max en dégâts magiques. Bah tu fais 2000 divisé par 100, ça veut dire que tu enlèves 2 zéros, ça fait... Ça fait déjà 200 PV. Ça fait que tu lui mets une compétence. Le Liandry en 3 secondes va lui enlever 200 PV. Je pensais combiner les deux items. Bah tu peux. Je l'utiliserai si je pars full AP, je pense. En vrai, la torche noire est bien. Mais en fait, ça prend que 3% de ta puissance. Donc sur un Veigar. Sur un Ryze, sur un personnage qui va avoir énormément de puissance, ça passe. Mais Torche Noire va être optimale à partir du moment où tu auras cet item. Après, oui, bah, tu pars full puissance, hein, tu prends la puissance. Tu vas là, bon bah tu prends Morello. Tu prends, je sais pas, qu'est-ce qui donne beaucoup de puissance. Tu prends ça, t'as de la peinée en plus. Tu prends ça. Et puis voilà, bah Flamme-Ombre, les dégâts magiques et dégâts bruts infligent des coups critiques aux ennemis qui ont moins de 30% de leur PV. Leur inflige 20% de dégâts bonus. Hop là, bah t'en enlèves un des deux. Oh allez, on enlève le Morello, on met ça. Hein. Allez, regarde, hop, boum. Bon là, on est à 120 parce que 3 secondes. Voilà, bon. Ouais, on est à 120 quoi. Ah oui, par contre, bon, excuse-moi, faut que je fasse. Hop là. Je suis à 120, j'ai lancé un Q. Avec les items que j'ai là. 230. J'ai 875 de puissance. Ça veut dire que... Ouais, je fais 41 points de dégâts... Là, j'inflige 41 points de dégâts magiques pendant 3 secondes. Les dégâts augmentent de 20 par seconde contre les monstres, on s'en fout. Donc voilà. Après... je gagne... Voilà, je gagne 4% de puissance. Voilà, en fait... Quand t'as quelqu'un qui est affecté par l'objet, donc là, en gros lui, je gagne 4% de puissance. Ça veut dire que que je fais pas 41 points de dégâts magiques, j'en fais plus. Ouais, Amumu full AP. Bah c'est bien parce que ça te donne de l'AP. En fait, Torche Noire te donne de l'AP en fonction des ennemis autour de toi. C'est-à-dire que si tu mets, je sais pas, un ult avec Amumu, déjà toutes les personnes autour de toi vont te donner plus 4 de puissance. Tu fais 4 x 5, je te fais pas le dessin, voilà. 20% de puissance en plus. 20% de puissance en plus qui te sont donnés ici pendant que Torche Noire est activée.
Ça fait beaucoup. Ça aide sûrement pour les personnes qui ont des spells avec peu de CDR ou des compétences en continu. Bah, compétences en continu, t'as le E de Timo. Compétences en continu, t'as le Z d'Amumu. Re, d'ailleurs, yo, je t'ai vu, t'inquiète. T'as le Z d'Amumu en compétences continue. En compétences continue, je sais pas si le passif de Twitch ça marche, faudra tester. Compétences continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le E, de Karthus. Les compétences qui font peut-être des dégâts sur la durée, ça doit marcher. Par exemple, un truc genre un Ignite, mais en compétences. Bah, le E de Timo. Vu que son poison, c'est une compétence. À chaque fois qu'il va avoir du poison, que la personne va subir des dégâts du poison, c'est des dégâts d'une compétence. Pour moi. On va tester Timo. On va juste tester Timo, après on retourne en rank. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir sur Timo. Parce que ça se trouve, c'est ultra fort, en fait. Tu prends Fléau de Lige dans le Nashor, le machin, le... Non. Timo. Ouais, le perso de cancer, On va prendre des runes pour Timo, on va prendre ça. Hein. Au rapport. Hop. Je veux juste voir sur Timo et après on repart en rank. Mais ouais, si ça marche. Pardon pour le coup dans le micro. Je pense pas que ça marche, mais c'est vu comme étant une compétence quand même. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas, je vais te dire pourquoi, parce que c'est considéré comme étant un passif. En fait, la compétence est considérée comme étant un passif. Tu vois? Donc du coup, ça marche pas. C'est comme avec le passif de Twitch. Ça marchera pas parce que c'est un passif. Par contre, un truc fort sur Timo. Je crois que c'est là-dedans. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Là. Ça. Tremble l'âme Navori. Vos attaques réduisent le délai de récupération de compétences non ultimes de 15% de leur délai de récupération restant. Donc, je vous fais pas un dessin. Tu prends Timo. On va dire que tu joues ça. Je fais un stuff Nawak, hein. On va remettre les compétences. Vous voyez, là, c'est 6 secondes. 6 secondes, hein, le Q Timo, vous avez vu. On est d'accord, 6 secondes, 0,9. Regardez. On doit être à 3 secondes de CC, à peu près. Et encore, la compétence, c'est que level 1. Hein. Attendez, parce que... Là, c'est... Bon, c'est 6 secondes quand même de cooldown. Mais... Là, je spam le Q. Vous voyez, la personne est à peine, elle peut voir... Elle ne peut déjà plus voir. Genre, il a une seconde de fenêtre de tir. Vous faites ça contre un ADC, c'est la pire chose. En gros, je vous explique. La tremble lame Navori, c'est pas... Ça réduit de 15% le délai de ta compétence non ultime. Non. C'est 15% du restant de délai de récup. C'est-à-dire, il te manque, t'as 10 secondes de délai de récup. Voilà.
En gros, t'as 10 secondes de délai de récupération, on t'enlève 15%. Imaginons, on va prendre 10%, c'est plus simple. T'es... Bon, là, c'est 15, mais... Tu es à 10 secondes de délai de récup. Tu touches quelqu'un avec une... Et c'est une auto-attaque, hein. C'est vos attaques, donc c'est les auto-attaques, c'est les AA. Hein. Tu tapes quelqu'un après avoir utilisé ta compétence. Donc, tu passes de 10 secondes à 9. Tu le retapes. Tu passes de 9 secondes à 8,1 secondes. Tu retapes la personne. Tu passes de 8,1 secondes à 7... À moins, en fait. Même pas. C'est même pas 10% à chaque fois. C'est 10% de ce qui te reste, en fait. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je rappelle que c'est uniquement les compétences non ultimes. Vous voyez, là je lance mes compétences. C'est les compétences non ultimes. Regardez à quel point revient 12 secondes, mon Z. Regardez. Vous êtes prêts? Attendez, mon Z. Attendez, je vais juste remettre... Voilà. Hop. Regardez, mon Z, comment il va revenir vite. Juste. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Pratiquement en 4 secondes, je l'ai récupéré. Je rappelle que la durée du Q de fléchette aveuglante est de 3 secondes. Vous mettez le Q qui a un délai de récup de 6 secondes avant de pouvoir relancer mon Q, le gars a une seconde de fenêtre de récup. C'est-à-dire un Teemo avec 2.17 de vitesse d'attaque et la tremblement de Navori dans son build, t'as une seconde en tant qu'ADC pour pouvoir lui tirer dessus. Essaye avec un build CDR. Un CDR. Avec un build de CD, bah on va prendre comme ça. Bon, ah non. C'est les bottes de CD, elles sont là. Je suis à 3 secondes 78. Le gars est toujours stun. Le gars est toujours aveuglé. Vous voyez, le pictogramme en haut, voilà. Même pas, il... Voilà. Vous voyez, regardez en haut. Il disparaît jamais, pratiquement. Je spam, hein. Il disparaît pratiquement jamais. Full CD, hein. Full CD, hein. Full CD. C'est abusé, ce... Non, mais attends, parce que, attends. Là, c'est full CDR tireur. Eh oui, c'est full CDR tireur, cher ami. Parce que, attends... Si on garde les bottes de lucidité et qu'on met ici, full CDR, on va prendre les plus gros CDR. C'est tout à 15 presque. 25. 20. Ah, attends, j'ai plus d'argent. Là, on a 20 aussi. Attends, bah, j'arrive. 25. Je suis à 3,41, ça passe quand même. Hein. C'est abusé, frérot. C'est abusé, le C... Non, mais... Parce que juste avant, j'avais que des items de tireur en CDR. Hein. Là, j'ai pris du 20 de... Non, mais... Là, t'en enlèves un, tu prends une Ginzo, le gars en face, il peut rien faire parce que tu tapes tellement vite. Là, je suis à 1,66. Mais en CDR, le cooldown était plus faible avec l'autre build. Oui, parce que j'avais une... En fait, je t'explique, l'autre build, j'avais la Ginzo. Ce qui fait que la Ginzo... C'est juste Ginzo, en fait, ça s'appelle.
c'est pas Gui... Si, c'est Guinzo. Elle est où? Non, c'est pas Guinzo. Guinzo. Parce que je t'explique, la Guinzo, voilà. Top, voilà. 3,78. C'est la même putain de chose. C'est juste que t'as plus de vitesse d'attaque. En fait, avec la Guinzo. Et étant donné que t'as plus de vitesse d'attaque et que c'est selon tes attaques, plus tu tapes, plus du coup tu perds en cooldown. Bon après là j'ai des items qui ont pas le même cooldown, mais voilà, tu vois. Là il est toujours, voilà, là je tire une fois sur deux, il y voit rien, tu vois. Le temps de cooldown de base du spell était plus petit, 3,06. Oui, sans la Guinzo. Mais c'est juste qu'en fait, là, je t'explique. Il était 3,41. Oui, là, il est à 3,78. Non, mais c'est juste que en fait... Juste là, en fait, le... C'est juste qu'à chaque fois que tu tapes, le délai de récupération de la compétence, c'est 15% sur ce qui reste de ta compétence. Ça veut dire que si t'es à une seconde, ça va t'enlever 15 millièmes. 15 centièmes. Donc même de toute façon, en fait, ça dépendra de ton CD. Mais ça peut dépendre aussi de la vitesse d'attaque, ça dépend. En fait, plus t'as de vitesse d'attaque, et même si t'as pas d'item en CDR, bah ça va pouvoir marcher. Soit tu pars full CDR, et du coup ce sera pareil. Mais le truc c'est que si tu pars full CDR, tu feras moins de dégâts. Donc vaut mieux partir avec une Guinzo. Et du coup, bah une... En plus, elle a du CD là dans le Nashor. What the fuck. Après, j'avais pris n'importe quoi en item de. En item là. Ce que je veux dire, c'est le CD du spell de base sans la réduction. Sans la réduction? Bah, sans réduction, c'est quoi? Attends, 3,78. Et l'autre, j'avais pris quoi à la place de la Guinzo déjà? À la place de la Guinzo, j'avais ça. Donc là, on est à ouais, 3,41. Et du coup, si j'enlève tout ça et que je prends uniquement les items en tireur avec les bottes de lucidité, là, on était à 3,78. Comment j'ai fait 3,06? Là on est à 20. Ouais, 20. J'essaye de trouver 25. Mais je crois qu'il n'y a pas 25. Hein. Ouais. On va être uniquement sur... Non, ça j'ai déjà 20. Ouais, bon, 20. Hein. Là, 25. Ah, mais ça a 25 torches noires en plus. Ah oui, bah ça a combien? 20. Je peux pas faire mieux. Je suis à 3,26, ouais. Non, 3,04, j'ai pas fait 3,04. Bref, sans importance. Si. Bah, en fait, l'important, c'est que juste, voilà, je vais mettre flamme noire, voilà, et puis je vais mettre ça par-dessus. Bref, retenez qu'en dessous de 4 secondes, en dessous de 4 secondes de récup sur le fléchette aveuglante, avec un tremble-lame Navori, vous pouvez presque l'ennemi en face de vous, à moins d'une seconde, il peut peut-être même pas sortir de l'aveuglement, si vous êtes avec Timo. Tremble-lame Navori, c'est vraiment si vous jouez Teemo ADC au support et que vous vous en prenez à un ADC, il va souffrir. Il va souffrir très fort. Et si vous avez un ADC mid et un ADC bot, paix à leur âme. Hein. Oui, je sais, j'arrive Discord. DG, toi.
Mais le problème, c'est que si j'ai un Discord et que je crache, c'est ta faute. Je m'en bats les reins que tu craches. Bah, bon voyage, Lucky. Qu'est-ce qu'il dit, lui? En fait, depuis que t'es arrivé, mon stream, il est instable, c'est chiant. DR. Bah oui, c'est vrai. Hein. Bon. Et tu sais que c'est j'en ai ranked aussi. Et que je suis à 2 wins. Ouais. Ce qui veut dire que si tu me niques ma game... Non, ça veut dire que si toi, tu me niques ma game, je te fracasse. Alors... On va mettre les choses au clair. Hein. T'arrives, tu me fais laguer. Déjà, premièrement. C'est pas moi qui te fais laguer, c'est toi qui es naze. Ça a rien à voir le lag, enfoiré. Tu vas support. Ouais, bah moi je vais rester jungle. Ouais. Alors attends, je reviens, du coup, je vais pisser. J'arrive. Fais la discussion avec le chat. T'as de la chance, y en a du monde aujourd'hui. Non, j'ai la flemme. Ah, oh, c'est con. J'ai la flemme aujourd'hui de t'insulter. Eh ben, insulte-toi toi-même, du coup. Non, j'arrive. J'ai plutôt laissé un giga blanc dans ce chat. Ça va être long, très long. Oh. Je laisse le chat parler, voilà. Vous avez le droit de dire des choses. On dirait. Bon, arrête de parler d'aussi loin, casse-toi et va pisser, vite. Ton réservoir de 60 litres là. Quand il part aux toilettes, on a l'impression qu'il voyage dans son appartement. Ça se trouve, il a un appartement de 800 mètres carrés. Parce que vu le temps qu'il prend pour revenir, c'est abusé. C'est de l'abus. Sinon, il a vraiment un réservoir de 60 litres. Le gars, c'est un charbon. Pourquoi dès que je viens, il se casse? Il avait tout... Il avait grave du temps pour aller pisser. Là, maintenant que je suis là, c'est là où il se décide à aller pisser. Est-ce que ça veut dire que je le fais chier? Non. Ça marche pas. Bon, dépêche-toi. Ouais, ta gueule, toi aussi. Comment ça, il y a un camion qui klaxonne? Même pas du côté de la rue. Bon, il se dépêche le chameau, là, ou pas? Allez! Enfin! Let's go! D'ailleurs, je sais plus comment je fais pour changer la bannière de Clash dans la faille. Bref, pour l'instant, j'ai fait deux parties en classé. La première, j'ai été classé Fer 1, 78 LP. La deuxième, je suis passé Bronze 4, 38 LP. Ouais, moi, je pense que je vais... Donc la prochaine, tu me fais monter Bronze 3. Je pense que moi, je vais stack le Fer 1. Mais pourquoi t'es quoi? T'es fer 28 toi ou quoi? Je crois que j'étais bronze 4, bronze 3. Ouais. Je sais plus. T'étais bronze 3, 4. T'es bronze 4 et là t'es quoi? Bah là pour l'instant je suis rien. Ah oui c'est vrai, vu qu'on a recommencé, bah oui. Bah t'étais bronze 4, tu vas commencer fer 4, hein, je pense. J'espère pas pour toi, mais bon. Ça va le stack du fer. Ça me fera des ennemis en moins. Bah non, je suis con, j'ai des runes avec Zira. Bon, bah du coup, je vais prendre que des champs pour cancer alors. Que j'ai pas trop envie de perdre. Ils ont bantimo en face. C'est un gars qui était sur le stream, ça. Il y en avait 5 quand je parlais de Timo, ils ont fait alors, Timo, ban. Franchement, s'il y a que 5 joueurs de LoL, ça fait pitié. Non, 5 joueurs de LoL sur mon stream, enfin... Oui, je sais. Mais ça veut dire que là, on est tombé sur un de ces 5 joueurs.
C'est-à-dire que tu prétends qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Quoi ? Minimum 5. Ouais, ça veut dire juste qu'il y a peut-être un gars en face de moi qui était sur mon stream. Kane. Peut-être que le joueur...